Bonsoir. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer, je vais vous expliquer comment lire un relevé de compte bancaire, d'accord? Donc ici, cette partie-là, le petit logo là, le petit écureuil, ça c'est la banque, c'est la caisse d'épargne. C'est un exemple de relevé de compte bancaire, hein. Ce n'est pas un vrai, hein. Ce n'est pas d'une vraie personne. Donc ici, on vous dit que l'agence, elle est située à Dax. Avec l'adresse, donc rue de la Banque, 4100 Dax. Ici, ça, c'est le propriétaire du compte bancaire. Ici, c'est monsieur Michael Dupont, avec son adresse et à Dax. Par exemple, ici, ça peut être la vôtre. Par exemple, je ne sais pas, moi, monsieur Saïd Khan, avec l'adresse rue de la Paix à Carvin, par exemple. D'accord? Et ici, donc, c'est le numéro de compte bancaire. Hein. Quand on a un compte bancaire, on a un numéro qui est assez long. D'accord? Ici, donc, c'est indiqué relevé de compte. Donc, le relevé de compte, c'est tous les mois. Donc, ça commence du 1er, par exemple janvier, à fin janvier. D'accord? Donc, ici, c'est du 1er au 31 mars 2016. Vous avez vu, il y a plusieurs colonnes. Donc, alors ici, c'est la colonne avec la date. 01-03, ça veut dire le 1er mars. D'accord? 1er mars, 2 mars, 3, 4, jusqu'au 31. Dans cette colonne ici, ça, c'est opération. Qu'est-ce que ça veut dire opération? Opération, ça veut dire tout ce que vous avez fait. Si vous avez payé avec la carte bleue, si vous avez payé avec un chèque, par exemple ici c'est chèque, hein? Ici aussi c'est chèque, d'accord? Si c'est un virement, si c'est un retrait, donc retrait ça veut dire qu'on a retiré de l'argent à la banque avec la carte bleue, d'accord? Donc ça, ici, ça reprend toutes les opérations. C'est ce qu'on appelle opération. Ici, vous avez une colonne débit, une colonne crédit. Qu'est-ce que ça veut dire? En débit, c'est toutes les dépenses que vous avez faites. Donc ça vient se retirer. Ça vient en moins dans votre compte. Tout ce qui est crédit, c'est ce qu'il y a en plus sur votre compte. Donc, en fait, ici, la colonne crédit, c'est bien, d'accord? Ça veut dire qu'il y a de l'argent sur le compte, d'accord? Et ici, le solde, ça veut dire que c'est débit moins crédit, d'accord? Donc, ici, par exemple, la première ligne qui est ici, c'est marqué report solde. Février 2016, on vous dit ici que le mois dernier, donc ici c'est le mois de mars, hein, le mois dernier, donc c'était février, il restait sur le compte 12,63 €. D'accord? Donc on démarre le mois de mars avec un solde à 12,63 €. D'accord? Donc ici, à votre avis, est-ce que c'est du plus et du moins ici, le solde. On va regarder hein, ici. Vous avez donc les dépenses en moins. Donc on va dire ça, c'est pas vraiment bien comme couleur. Et ça, c'est bien la couleur, d'accord? Donc les recettes, c'est du plus et du crédit. Donc ici, le report, c'était la couleur verte. D'accord? Donc ça, c'était bien. D'accord? Je reprends ici. Ici, au 1er mars, il y a eu un virement de salaire. Ça veut dire que vous avez travaillé et votre employeur, donc votre patron, vous a versé votre salaire qui est de 850 €. D'accord? Donc ça va venir s'ajouter à la colonne crédit. D'accord? Donc crédit, c'est toujours en plus. Et ici, le solde, on va faire 850 plus 12,63 €.
Ça vous donne donc au 1er mars la somme de 862,63 sur votre compte. D'accord? Donc ça, c'est virement salaire. Donc ça, c'est du plus. Le 1er mars, ici, vous avez le virement loyer. Donc vous habitez dans un appartement, d'accord? Votre loyer est de 300 euros. Donc ça va venir en moins. D'accord, sur votre compte. Donc, ici, vous avez 862,63. On vous a prélevé, on vous a retiré 300 euros pour payer votre loyer. Donc, en fait, on a fait 862,63 moins 300. Ça vous donne 562,63. D'accord? Le 1er mars, ici, Carrefour Dax. D'accord? Donc ici, Carrefour Dax, qu'est-ce que c'est? Donc en fait, ça, ce sont donc des dépenses. Et donc là, les virements, on a dit que c'était en dépenses. Donc ça, c'est un achat en carte bleue. D'accord? Achat carte bleue. Vous avez vu? Carte bleue, on peut aussi le retrouver écrit CB pour carte bleue. D'accord? Alors. Donc ici, hein, vous êtes allé faire des courses à Carrefour. Vous en avez eu pour 59,95. Donc ça va venir s'ajouter à la colonne débit. Mais attention, vous avez un peu moins d'argent maintenant sur votre compte. Donc ici, c'était 562,63 moins 59,95. Vous avez maintenant 502,68 € sur votre compte. D'accord? Donc, ça diminue. Le 2 mars, vous avez des allocations logement. Donc, allocation logement, donc ça, c'est en vert. Hein? Allocation logement, ça, c'est bien. D'accord? Donc, ça vient s'ajouter en plus. On appelle ça des recettes. Donc, allocation logement, vous avez reçu 150 €. Donc, sur les 502,68 € restants, il y a 150 € qui sont venus s'ajouter. Donc, ça vous fait la somme de 652,68 € sur votre compte. D'accord? Ici, les virements mutuels. Virements mutuels, là, c'est vous qui payez votre cotisation. Donc, on vous retire 22 €. Ici, c'est l'électricité. C'est vous payez l'électricité dans votre appartement, d'accord? Pour la télévision, pour la lumière, d'accord? Donc, vous en avez pour 43 €. Ici, vous avez l'abonnement de téléphone SFR, d'accord? Donc, ça, c'est votre téléphone. Vous en avez pour 19,90 € par mois. Ici, vous avez la facture d'eau. 24 €. Ici, vous avez retiré de l'argent avec la carte bancaire sur Bayonne. Vous avez retiré 50 €. Donc ici, vous pouvez voir, hein, retirer, donc abonnement, ça vient aussi de ce côté. Le retrait d'argent, c'est aussi une dépense. D'accord? Donc ça vient en moins. Donc ici, vous avez retiré. Ici, le 6 mars, vous avez fait des courses à Carrefour Dax pour 44,32. La cotisation carte bleue, vous avez une carte bleue, mais tous les mois, vous payez une cotisation. Donc de 6,90 €. Donc la cotisation, c'est pareil, c'est une dépense. Donc ça vient en moins sur votre compte. Alors la cotisation, le chèque. Pour le bus, vous avez payé 30 €. D'accord? Donc là, c'est pareil, hein? Les chèques, donc les factures d'eau, les chèques, c'est pareil, ça vient en moins. D'accord? Donc ici, les chèques, normalement, vous avez un numéro ici du chèque, d'accord? Pour pouvoir suivre le numéro sur le chéquier. Donc les chèques pour le bus, 30 €. Vous avez fait le 12 mars un chèque
pour la cantine, 44 euros. Vous avez payé l'auto-école puisque vous passez votre permis de conduire, 60 euros. Vous avez fait un virement sur le compte livret A d'épargne. Vous avez versé 40 euros sur votre livret d'épargne. Donc ça, c'est bien. D'accord? Donc derrière ça, vous avez un autre compte où il y a de l'argent qui vient s'ajouter. Mais ici, ça vient se retirer sur votre compte. D'accord? Ici, le 18 mars, vous avez fait un chèque chez le docteur Maboul. Vous étiez malade, vous avez fait un chèque de 23 euros. Vous avez été chez le docteur, donc vous êtes allé aussi à la pharmacie. Vous avez payé 10,90 euros. Ici, ce n'est pas un chèque, ce n'est pas indiqué chèque. Donc, c'est la carte bleue. Ici, vous êtes allé à Leclerc. Vous avez payé en carte bleue pour 66,50 euros. Ici, remboursement frais de santé. Quand on va chez le docteur, on est remboursé. Donc ici, vous avez vu, vous avez été remboursé de 33,90 euros. Alors, les remboursements de frais de santé, ça peut être le docteur et les médicaments. D'accord? Donc ici, je descends. Retrait d'Axe Centre. Ici, c'est un retrait avec la carte bleue. D'accord? Donc 40 euros. Vous avez retiré de l'argent avec votre carte bleue de 40 euros. Ici, vous avez payé le 22 mars l'assurance pour la voiture, l'assurance pour la maison, par exemple, pour 45 euros. D'accord? Donc ça, c'est tous les mois. Ici, vous êtes allé à McDonald's. Vous avez payé en carte bleue. Vous en avez eu pour 8,90 euros. Vous êtes allé au cinéma, d'accord, pour 5,90 euros. Vous avez fait aussi des courses à Lidl, 33,99 €. Vous avez acheté un billet de train à la SNCF, 11,96 €. Le 27 mars, vous êtes allé chez le coiffeur. Vous avez fait un chèque, donc le chèque, le coiffeur s'appelle Évolutif. Vous en avez eu pour 25 euros. Et vous avez fait un chèque le 30 mars pour vous acheter des vêtements chez Jules, donc 37,90 €. Et ici, vous avez fait donc des courses à Lidl. Vous n'avez pas fait de chèque, ce n'est pas marqué, donc vous avez payé en carte bleue. Vous en avez eu pour 25,95 €. Donc ici, vous voyez tout ça là, tout ça vient en moins. Donc en fait, c'est 652,68 € moins 22. Ça fait 630,68 €. Ça, vous avez fait 43 euros. Donc il y a une facture de 43 euros pour l'électricité. C'est 630,68 € moins 43. Ça nous donne 587,68 €. Et ainsi de suite. D'accord? Ici, pour le remboursement de frais de santé, ça vient s'ajouter. Donc, ça veut dire ici, il vous restait 166,16 €. Les remboursements de frais de santé, 33,90 € sont venus s'ajouter. Donc, en fait, ça fait 166,16 € plus 33,90 €. Donc, vous aviez ici 200,06 €. Donc, remboursement frais de santé, hein, c'est aussi du plus. Donc, ça, c'est bien. La couleur verte, c'est bien. Donc, ici, vous avez vu, ici, vous aviez 29,31 €. Vous avez acheté des vêtements chez Jules, 37,90 €. Vous avez vu, ici, il vous restait 29,31 €. Et vous avez fait un chèque de 37,90 €. En fait, vous avez dépensé plus d'argent qu'il ne vous restait. Donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est 29,31 € moins 37,90 €. Ça veut dire que vous avez un solde, donc débiteur, de moins 8,59 €. Donc, ça veut dire que il vous manque 8,59 € sur votre compte bancaire.
Ici, quand vous avez fait les comptes, vos courses, pardon, à Lidl pour 25,25, c'est la même chose ici. Vous étiez déjà à moins 8,59 €. À ça sont venus s'ajouter 25,25 €. Donc 8,59 plus les 25,25, ça vous donne moins 33,84. Donc le moins ici devant, ce n'est pas bien, d'accord? Et ici, enfin, les frais bancaires découverts autorisés. En fait, c'est ça, être à découvert. C'est quand c'est moins. Quand on est en moins, on appelle ça un découvert. Donc, si vous êtes à découvert, vous avez des frais bancaires. Et les frais bancaires, vous les payez. Donc, ça vient s'ajouter. D'accord? Donc, ici, donc, vous avez vu, hein, ici, vous êtes à moins 40,22 €. Donc, ici, le total pour tout le mois de mars en débit, c'est-à-dire les dépenses, vous avez fait 1 086,75 € en dépenses et en crédit, ça veut dire l'argent que vous avez sur votre compte qui vous reste, c'était 1 046,53. Mais vous avez vu, ici, c'est plus en débit et c'est moins en crédit. Donc ici, on vous dit que vous êtes solde débiteur au 31 mars 2016, moins 40,22 €. C'est la somme qu'on retrouve ici. D'accord? Donc ça, moins 42,22, ça, ce n'est pas bien. D'accord? Donc ça voudra dire que pour le relevé du mois d'avril, parce que là on est au 1er mars, donc au mois d'avril, vous allez commencer avec un report de solde du mois de mars, débiteur, donc ici vous aurez moins 42, ici, hein, vous aurez moins 42, 20, moins 42,22 €. D'accord? Donc ici, ce qu'il faut retenir, c'est que dans la colonne crédit, ça c'est bien. D'accord? Ça c'est de l'argent qui arrive sur votre compte. Donc il faut toujours, toujours qu'il soit supérieur à ce montant-là. D'accord? Il ne faut pas avoir des signes moins devant. D'accord? Il ne faut pas avoir moins 40 et quelque chose. D'accord? Donc, il ne faut pas de solde débiteur. Le mieux, c'est d'avoir un solde créditeur. Créditeur, ici, c'est bien. Un solde débiteur, ici, ce n'est pas bien. D'accord? Si vous avez un solde débiteur, alors vous paierez à la banque des frais bancaires pour découvert autorisé. Donc, il faut vite remettre de l'argent sur votre compte. Donc, vous avez retenu le relevé de compte bancaire, c'est tous les mois. Voilà, j'espère que ça a été utile. Je vous souhaite bon courage pour la tenue de vos comptes. À bientôt!